Laure Ballon, Star Academy, victime d'un accident qui a bouleversé, ma vie s'est arrêtée, exclue. L'aventure Star Academy touche à sa fin. C'est ce samedi 26 novembre que sera diffusée la grande finale qui oppose Louis, Anisha, Léa et Enola. Avant que le gagnant ne soit sacré, Pure Pop a rencontré Laure Ballon. La professeure d'expression scénique, et Adeline Tognutti, la professeure de chant, pour une interview 10 secondes pour. Lors de cette interview un peu particulière, les deux expertes en musique se sont épanchées sur les élèves et le reste des professeurs. Adeline Tognutti s'est d'ailleurs permise de balancer un petit dossier sur le directeur de la Star Academy, Michael Goldman. Mais ce qu'on a également retenu, c'est l'anecdote sur l'accident de Laure Ballon lorsqu'elle était danseuse. Car oui, avant qu'on ne la découvre au château de Damarie-Lillis, elle a eu un parcours riche en expériences. Parmi celles-ci, figure son apprentissage en claquette et en danse donc. Une activité qui s'est malheureusement arrêtée brusquement du jour au lendemain suite à une blessure. Style Diva place Hold A1 et A1, 8 300 PX, minimum et 250 PX, at Media Screen End, minimum 8. 990 PX, Diva. A place Hold A1 et A1, 8 620 PX, minimum et 350 PX, style. Vous savez, quand on est ballerine, on commence très jeune, donc c'est beaucoup de sacrifices et de douleurs corporelles. A d'abord souligné celle qui a eu un accrochage avec Julien. Et de raconter son grand blocage, c'est vrai que j'étais danseuse très longtemps et ma vie s'est arrêtée sur scène à Chicago. Et en fait, ce qu'il s'est passé, ce n'est pas que je ne pouvais pas continuer ma carrière, mais quand j'ai voulu reprendre l'entraînement après 8 mois de kiné pour réparer ma jambe. Dès que j'allais à la barre, dès que je commençais à plier, j'allais vomir. Mon corps ne voulait plus. En fait, c'était un truc psychosomatique. Laure Ballon a donc dû se résoudre à changer de voix. Et c'est là où j'ai commencé à chanter et à faire du théâtre. Guillaumet. A raison, puisque Laure Ballon a su se construire une nouvelle carrière remplie de succès. Elle a notamment été à l'affiche de plusieurs pièces de théâtre en France comme à l'étranger. Comme avec Cours Sucré et Long Sans Sucre et Les Misérables à Paris, Chorus Lainica. En Autriche, elle a également joué dans la comédie musicale Rendez-vous au Théâtre de Paris avec Camera et Belle Belle Belles avec Aurélie Conaté. Laure Ballon a par ailleurs été vue dans les séries Une Famille Formidable et Sauveur Giordano sur TF1. Et Elodie Bradford sur M6. Le cinéma ne lui a pas non plus échappé puisqu'en 2008, elle a été au casting du film Agathe Cléry, aux côtés de Valérie Lemercier. Depuis 2007, elle est essentiellement professeure de chant et de comédie musicale à l'École de comédie musicale, ECM, de Paris. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepol comme.